You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up et je te le dis direct, c'est la dernière vidéo où je vais utiliser des produits de chez Sephora. Comme tu le sais, j'ai repris à fond mon activité Joli Moi le mois dernier et j'avais passé une dernière commande chez Sephora. D'ailleurs, je me suis toujours pas servi des produits que j'ai achetés puisque depuis que j'ai repris Joli Moi à fond, je ne vous parle que de ça. Donc là, c'est une dernière vidéo entre guillemets. Pour vous montrer un petit peu les nouveautés que j'avais achetées chez Sephora, mais vraiment je veux faire très attention à ma consommation parce qu'en fait là c'est des trucs que j'ai achetés pour acheter, j'en ai vraiment pas du tout besoin. Et je vous l'ai dit, cette année je veux vraiment consommer autrement, consommer mieux, des produits de meilleure qualité, etc. Je suis désolée, je me suis pété une dent, j'ai du mal à parler. Les produits sont de bonne qualité, ça c'est clair et net, mais c'est plus du tout le genre de produit que je veux consommer pour l'avenir. Donc on va tester ensemble plusieurs produits. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté que je n'ai pas encore utilisé. Je me tâtais même à les renvoyer, mais bon, je suis pas sûre qu'ils les reprennent, même si je m'en suis pas servie, je les ai pas ouverts. Je m'étais acheté le dernier blush de chez Huda Beauty, le Pretty Grunge, donc le gloss qui s'adapte en fonction de votre pH. Je me suis acheté une palette de chez KVD. Je crois qu'il n'y a que des paillettes, donc je m'en suis pas encore servie, je l'ai même pas ouvert, je sais même pas à quoi elle ressemble en vrai. Et je me suis acheté deux liners comme ça de chez Fenty, ils avaient l'air trop beaux et en ce moment j'ai un gros problème avec le bleu, je pense que vous l'avez vu. Et ensuite j'ai acheté les Dazzle Sticks, alors eux je les ai essayés vraiment vite fait, donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais acheté deux tattoo liners, donc j'ai déjà testé le bleu et franchement je le trouve sec, je l'aime pas du tout, je vais vous montrer. Je sais pas si c'est qu'il a séché ou quoi, mais je le trouve hyper sec. La dernière fois, j'ai fait un liner avec, j'ai dû recommencer 5-6 fois. Et j'avais pris celui-là, c'est le vert. Pareil, j'ai pas testé. Bah, il est aussi sec. Hein. Ça fait patchy. Je sais pas. Je suis un petit peu déçue par ces deux produits. Ensuite, on va tant qu'à faire, on va tout swatcher. Comme ça, c'est fait. On va swatcher les Dazzle Sticks. Ça, par contre, c'est une beauté. Oh, magnifique. Oh là là, ça fond sur la main. C'est du beurre. Et on va ouvrir du coup ces produits de chez Fenty. On va les swatcher aussi. Donc voilà comment ils se présentent. À mon avis, je vais galérer à faire mon liner avec ça. Mon fils, il est déchaîné, il fait que bouger. Je me suis dit que j'allais filmer une vidéo make-up aujourd'hui. Parce que c'est plus tranquille, tu vois. Parce qu'en ce moment, je suis un peu au bout de ma vie. On sent que bah, je vais rentrer dans mon 9e mois. Ça y est, c'est la fin. Et là, celui-là, il est bleu à paillettes. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Je sais pas si vous allez voir. On va tester, on verra. Et ensuite, la palette Surreal Bloom. Voilà comment elle se présente. Si je vous la montre à l'endroit, c'est peut-être mieux, non? Et voilà comment elle est à l'intérieur. Bon, par contre, elle est trop belle. Elle est vraiment ouf. Ok, donc les fards, c'est la même texture que les Dazzle Sticks. J'ai aussi le fond de teint que j'ai pas testé encore avec vous. J'ai aussi le fond de teint Nars que je n'ai pas encore testé avec vous. Et j'en ai un autre que je n'ai pas testé avec vous, parce qu'il y a plein de choses que j'avais achetées là ces derniers temps. Non, c'est le dernier que j'avais acheté, c'était le Charlotte Tilbury, et ça je l'avais déjà essayé il y a quelques temps, en vidéo. Donc je suis allée enlever mes swatchs et on va attaquer ensemble le make-up. Donc pour la base, je vais utiliser celle de chez Milk, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie, donc c'est la Pore Ellipse, Eclipse. Alors en ce moment, ma peau, franchement, elle est super, je n'ai pas à me plaindre. Bon là j'ai un peu de rougeur, je sais pas pourquoi. Mais ça fait deux jours que je suis pas maquillée, mon fils était malade. Mais j'ai plus vraiment de pores dilatés, j'ai plus de boutons, etc. Et en plus je suis vraiment sur la fin de ma grossesse et en général moi enceinte, j'ai vraiment une peau dégueulasse. Donc je suis plutôt contente, ça fait quelques temps que j'utilise des bons produits là pour me démaquiller. Et je vois le résultat. Donc là ouais, ça fait deux jours que j'ai pas fait ma routine vu que je me maquille pas. Et c'est pas bien, parce que même si on se maquille pas, il faut le faire, je n'arrête pas de vous le dire. Mais avec mon fils qui est malade, et mon ventre qui me tire, je vous jure que le soir, oh, j'ai pas envie. Mais il faut que je le refasse. Donc tout ça pour dire que ma peau, elle est pas cracra du tout en ce moment, donc je suis plutôt contente. Donc j'ai moins besoin de base qui viennent flouter, boucher les pores, etc. Est-ce que je pars sur le Nars ou est-ce que je pars sur le KVD? On va partir sur le KVD, parce que franchement, je l'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Alors il faut que je lave mes éponges et mes pinceaux, ils sont tous dégueulasses. Comme d'habitude. Je vais mettre une pompe pour le moment. Et je vais venir
l'étaler sur un côté de mon visage. Alors j'avais peur parce que c'est un fond de teint sérum. Et comme j'ai une peau mixte à grasse, je me suis dit aïe aïe aïe, sérum, je vais regresser, je vais ressembler à rien, je vais avoir la peau luisante. Mais pas du tout. Je sais pas comment ça se fait, mais pas du tout. J'aime beaucoup l'odeur de ce fond de teint. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Oui, ça n'a pas une couvrance hyper forte, c'est plutôt léger. Mais franchement, en fait c'est ça que j'aime. Sur ma peau, bon là je pèle un peu du nez parce que je suis enrhumée. Mais sur ma peau, j'ai pas un effet de matière. Mais en même temps, elle vient bien couvrir, bah du coup, couvrir. Ouh là là. J'ai pas un effet de matière sur ma peau, mais ça vient bien couvrir un petit peu les rougeurs que j'ai. Je pense qu'en été, ce fond de teint ne me conviendrait pas. Puisque l'été, je transpire. Et vu que c'est un sérum, je pense que... On verra. Peut-être je le testerai cet été. Mais je pense qu'avec un temps chaud et la transpiration, tout ça, ça n'ira pas. C'est mieux là qu'il fait froid, que c'est sec. Donc c'est pour ça que l'hiver, je me permets d'utiliser des fonds de teint un peu plus couvrants. Ah, vous voyez rien. L'hiver, j'utilise des fonds de teint un petit peu plus couvrants. Et l'été, bah, des fonds de teint plus fluides, plus légers, parce que je sais que sinon, c'est pas la peine. Donc en contour, je remets le Charlotte Tilbury. Ma soeur m'en a donné un. En fait, elle en a acheté deux sans faire exprès. Donc elle m'en a donné un. J'aime beaucoup ce produit. C'est dommage que sur ma boutique, j'ai pas de bronzer crème. Parce que vraiment, c'est une texture que j'adore. On a un blush crème. Je crois que je l'ai commandé là pendant les soldes. Il n'était pas soldé, mais il n'était pas très cher. Parce que j'ai très envie de le comparer à mon Sephora. C'est exactement le même format, la même texture. Donc j'ai très très envie d'essayer. Oh, regardez mon pinceau. Il faut que je prenne un soleil. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux aujourd'hui. Oh non, ça va pas. Je vais le faire à l'éponge. Et ensuite, on va appliquer le blush. Donc du coup, le blush, bah, c'est celui de chez... Ah, j'ai perdu le mot Huda Beauty. On va y arriver. Voilà comment il se présente. C'est vraiment une texture gel, en fait. C'est trop bizarre. Et vous voyez, ça a déjà changé de couleur comparé à ce qu'il y a dans le pan. Donc c'est trop bizarre. Mais c'est à la fois hyper satisfaisant. Donc je vais venir utiliser une éponge. Et on va venir appliquer ça sur ma joue. Regardez. Je sais pas si vous voyez en direct le changement que ça fait. C'est trop bizarre. J'en ai mis un peu trop là. On est prêts, vous et moi. Heureusement que je n'ai plus trop de problèmes de pores. Donc je vais l'appliquer au doigt et regardez. Hop. Donc ça s'adapte à toutes les carnations. Du coup, ça dépend de votre carnation. Ça n'aura pas le même rendu sur vous que sur moi. Et j'ai trop envie de le tester genre sur ma soeur, sur ma mère, vu qu'on n'a pas la même carnation. Moi, ça fait vraiment un rose pétard. Mais j'aime bien, c'est sympa. Après, je vais le poudrer. Parce que du coup, on a cet effet collant gras que j'aime pas du tout. Donc, je vais vous montrer. Je prends ma poudre de chez Milk. Du coup, je vous garde aussi prêt. On va reculer un petit peu, non, peut-être. C'est quoi, d'abord, je vais faire mes sourcils. Donc, normalement, je les fais plus parce que je suis allée les faire chez ma copine. Mais je prends juste mon produit de chez Milk. De chez NYX. Et en fait, je viens juste les brosser. Je pourrais utiliser du coup un gel transparent. Puisque ma copine m'a fait une coloration des sourcils. Alors ça, franchement, c'est fou. C'est la vie. Voilà. Bon, ils sont pas du tout symétriques. Ce sont pas des frères, ce sont des cousins. C'est pas grave. Donc là, je vais utiliser ma poudre. Donc c'est la Milk, la Pore Eclipse aussi. Franchement, mes deux poudres que j'utilise le plus, c'est la Milk et la... Et la MAC, elle floute les pores, mais oh, c'est un truc de dingue. Donc on vient la tourner comme ça. Je vais en mettre un petit peu dans mon capuchon. J'en ai mis beaucoup trop. Et avec une éponge, tout est sale. Franchement, j'aurais pu préparer cette vidéo, mais comme d'habitude, Noémie ne prépare rien. J'ai pas pris d'anti-cerne, tiens, aujourd'hui. Donc je vais venir fixer mon teint.
Je fixe comme si j'avais mis de l'anti-cerne alors que non. Mais je veux pas que mon fond de teint file dans mes plis. Et je vais venir poudrer ma zone T. Et je vais venir poudrer du coup mon blush. Et je trouve que vraiment j'ai un teint mais une poupée de porcelaine. J'adore. Je kiffe de plus en plus travailler mon teint. Alors en général en bronzer je prends toujours le Make Up by Mario. Mais là je veux terminer celui-là qui est dans mon project pan. Donc écoutez, on va prendre celui-là. Et je viens du coup faire mon bronzer. Je me tâtais à aller couper ma frange, mais alors franchement avec bébé qui arrive, je suis pas sûre que j'ai le temps de faire ma frange tous les jours. Déjà là c'est chaud le matin, je suis fatiguée, j'ai du mal, et j'en ai que deux à gérer. Alors quand j'en aurai trois, je pense que j'aurai d'autres chats à fouetter. Pour le blush, je vais utiliser celui-là de ma boutique. Donc il y a trois produits de ma boutique que j'ai à utiliser dans cette vidéo. Donc là c'est le Color Glow de chez Be Radiance, donc c'est cruelty free vegan. Il y a 99% d'origine naturelle, il y a des probiotiques dans le blush, il n'y a pas de talc, pas de silicone, il a été fabriqué en France, etc. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Et je trouve qu'il se marie très bien avec le bronzer crème que j'ai mis en dessous. Je pense que j'ai un petit peu la main lourde. C'est hyper pigmenté Noémie. Et ensuite, avec ce pinceau-là, je vais venir prendre l'highlighter. Alors là, je ne nettoie pas forcément les pinceaux, puisque c'est un petit peu le produit que j'utilise tous les jours. Donc là, on est sur un highlighter rosé. Je vais vous montrer. Et c'est vrai que moi, j'ai plus tendance d'habitude à utiliser des highlighters dorés. Est-ce que ça va focus? Oh là là, c'est trop beau. Trop, trop beau. Pour mes yeux, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que j'utilise les crayons? Est-ce que j'utilise les liners? Est-ce que j'utilise la palette? Par contre, si j'utilise la palette, j'aurais dû prendre... Parce que j'ai que des paillettes. J'ai envie d'utiliser le bleu et le blanc. Donc je vais prendre un pinceau et je vais venir avec mon bronzer faire un petit creux de paupière. Histoire de dire que j'ai une base. Parce que du coup c'est que une palette de paillettes, donc franchement je serais trop tentée de faire un œil de chaque couleur. Mais après je dois filmer d'autres vidéos, j'ai pas trop envie. Ah ouais, mais du coup est-ce que je mets du bleu? Parce qu'après je vais vous filmer une vidéo lookbook. Donc si je mets du bleu... Oh, je vais peut-être partir sur un dégradé de marron. Ouais. J'en mets un petit peu en ratil. T'as fini de râler. Je vais venir utiliser cette couleur en coin externe, cette couleur en paupière mobile et cette couleur en coin interne. Je pense, c'est plus safe pour ce que je veux faire parce que je veux filmer d'autres contenus après. Et donc là, je prends un G-Zup 242 plat. Je vais venir prendre la teinte ici. Donc elle s'appelle Hyper Dream. On va voir si ça marche. Avec un pinceau, bon déjà j'arrive à prélever de la matière. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Ça fonctionne très bien. Oh là là, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est du beurre. Oh, regardez-moi ça. Je vais prendre celle-là, donc le Mild Meld. I speak English very bad. Et donc je vais en appliquer sur ma deuxième tranche. Oh là là, c'est trop beau. C'est magnifique. Et je vais venir prendre le blanc ici. Donc le Sleep Talk. J'ai mangé tous mes ongles hier soir. Oh là là, magnifique. J'ai tout mangé, je voulais faire mon vernis
Et j'ai tout mangé, j'ai commencé à stresser parce qu'en fait, depuis le début, je me dis oui, ça va être une césarienne, ça va bien se passer, tatati tatata. Sauf que depuis que j'ai vu l'anesthésiste et qu'il m'a dit ça peut être plus long, vous pouvez perdre plus de sang, il y a des risques, des trucs, des machins. Depuis, j'angoisse, je m'imagine mourir pendant la césarienne. Pff, n'importe quoi. J'étais sereine pour cet accouchement. Et voilà. En même temps, si je stresse pas, c'est pas moi. Oh, c'est trop beau. Et là, franchement, il faut que je mette mon crayon en muqueuse. Je suis allée chercher mes petits crayons de chez Oldtiger. Je sais pas lequel je mets. Je vais mettre le cuivre en haut. Ils sont à paillettes. Il faut que je me commande ceux qui sont pas à paillettes. Et je vais mettre le noisette en bas. On en est ici. J'ai fait vraiment un trait tout basique. Ça se voit même pas. Pour le mascara, du coup, je vais tester celui de chez Alima Pure que je viens de recevoir, que je viens d'acheter sur ma boutique. C'est un marron. Donc ça change du noir. Et vu que là, je suis maquillée en marron, je me dis qu'on va le tester. Donc c'est une brosse. Si le focus veut bien se donner la peine. En picot, je crois. Et au moins, ça change du noir. Je me dis que des fois, j'ai pas forcément envie de mettre du mascara noir. Marron, ça fait plus naturel, plus sympa. Donc là, j'ai un marron, un bleu et un noir. C'est plutôt des cils sympas. Je sais pas ce qu'il promet celui-là. En fait, je l'ai acheté parce qu'il était marron. Naturel définition. Donc déjà, il promet pas un truc de fou. Attendez, je vais regarder. En plus, il était dans les prix doux, dans les soldes. Mascara haute définition et volume. C'est un mascara très pigmenté qui définit et met en valeur les cils à la perfection. Sa brosse en silicone définie et sépare les cils pour un regard captivant sa paquet. Ça, c'est clair et net que j'ai pas de paquet. Mais il fait des jolis cils, écoutez. On va venir mettre une deuxième couche. Et c'est clair qu'il sépare bien mes cils, il fait pas de paquet du tout, du tout. Et là, ouais, regardez la différence. Je suis plutôt conquise. Et puis les marrons. Donc je voulais un mascara marron. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, pareil, j'ai acheté un produit sur ma boutique dans les soldes. Donc c'est un MAC, un Lock and Kiss. Il y a plusieurs couleurs et franchement, je peux vous le dire déjà, j'en veux d'autres. Là, c'est le teaser. Au début, je voulais tester les Retro Mat. Mais j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur celui-là qui disait qu'il tenait super bien. Donc j'ai dit, bah écoute, on va tester celui-là. Par contre, j'ai pas de crayon à lèvres pour le contour qui va avec. Donc je suis allée chercher celui-là. Je sais pas si ça va être la bonne teinte. On est sur un petit nude. Ouais, non, pas du tout. C'est pas la même couleur. Mais celui que j'ai mis la dernière fois était trop foncé. Donc, je vais faire le tour de mes lèvres. Comme d'habitude, je fais l'intérieur de mon arc de Cupidon. Et l'extérieur de mes commissures. Pour faire un effet overliné. Et en bas, je reste à l'intérieur. Et ensuite, on va passer à ce rouge à lèvres. Tout le monde dit qu'il tient super bien. Et c'est vrai que la dernière fois, j'ai mangé, j'ai fait ma journée, j'ai bu, j'ai tout ce que je voulais. Et le soir, j'en avais encore, j'étais choquée. J'adore l'odeur. C'est la deuxième fois que je le teste. J'adore. J'adore l'odeur et j'adore la texture. Ça fait vraiment un effet smooth sur la lèvre. Je le sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres asséchées, c'est très hydratant. Et j'ai l'impression d'avoir mis du velours sur mes lèvres. Bon, par contre, j'ai l'impression de les avoir un peu trop overlinées. Je vais venir fixer mon teint, donc je vais prendre la Milk, pareil pour Eclipse. Tout assorti, hein, j'ai mis la base, la poudre et le spray fixateur. Alors je crois que j'aime pas l'odeur, mais j'aime le spray, si je me rappelle bien. Ouais, l'odeur ça pue, mais vraiment ça sent un aliment que j'aime pas. Mais j'aime son pchit. Et voilà pour mon rendu final, qu'est-ce qu'on en pense? Du coup je trouve que mes sourcils ils font trop simple, ils font pas assez maquiller, mais bon. Flemme. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit make-up. Voilà pour cette vidéo sur mes nouveautés que j'ai achetées ces derniers temps.
Il y a des trucs que j'ai pas encore testé, on essaiera de voir si je teste dans une prochaine vidéo, si je teste en Reels, etc. Là je vais bientôt accoucher, donc j'essaie de prendre de l'avance sur mes vidéos, mais je pense qu'il y aura des moments où il y aura des loupés, où il y aura pas de vidéo. Parce que quand bébé va naître, je vais clairement pas filmer de suite, hein. Peut-être que oui, mais ça m'étonnerait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, dites-moi en commentaire quel est le produit que vous avez préféré. Franchement, moi j'hésite. Parce que la palette... Voilà, elle est magnifique, mais alors le rouge à lèvres... Je pense que c'est mes deux coups de cœur, la palette et le rouge à lèvres. Après j'aime bien le mascara aussi, j'aime bien le crayon, j'aime bien le fond de teint, il me fait un teint de poupée, j'aime bien le blush, j'aime tout. Je ne sais pas choisir, j'y arrive pas, donc choisissez pour moi, dites-moi en commentaire quel est le produit que vous avez préféré dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'eau, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.